Pour moi, la métropole du Grand Paris, c'est d'abord un territoire, une réalité pour ses 7 millions d'habitants. Elle existe en tant que ville-monde. C'est aussi un territoire avec de très fortes inégalités. C'est avant tout un projet politique. C'est une intercommunalité. C'est un espace de discussion entre des maires. Pour gérer ce qu'on appelle la zone dense. Des projets qui vont permettre de casser des frontières. Que j'appelle le récit métropolitain. J'aimerais bien que ce soit un espace inclusif. Qu'on puisse réfléchir à des hauts lieux. Mais que ce soit aussi surtout un moyen pour les citoyens de banlieue de se réapproprier leur territoire. La métropole du Grand Paris peut être une métropole apprenante de la ville contemporaine.